Salut tout le monde! Il y a déjà un bon moment de ça, je vous ai tourné une vidéo pour vous montrer comment créer un calendrier éditorial sur l'outil Trello. Lors de cette vidéo, je vous demandais si ça vous intéressait que je vous fasse un, un tutoriel à peu près similaire, mais cette fois-ci sur Notion, Notion qui est un outil que j'utilise énormément et que j'affectionne tout particulièrement. Et vous avez été nombreux à me dire que ça vous intéressait, et du coup, nous y voilà, même si c'est plusieurs mois après. Vous le savez, avoir un calendrier éditorial, de mon point de vue, c'est vraiment indispensable quand on crée du contenu et qu'on a envie d'être régulier dans la création de ce contenu actuellement vous avez du mal à publier régulièrement c'est le moment de créer un calendrier éditorial et pourquoi pas sur notion parce que comme on va le voir ici notion a plein de fonctionnalités très intéressantes pour ce type de format ce type de notes bien sûr ici mon objectif c'est surtout de vous montrer comment faire et vous montrer les principales caractéristiques les principales fonctionnalités qui sont offertes par notion mais si jamais vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de planifier la création de votre contenu et d'essayer d'en créer un maximum sans pour autant souffrir le martyr, parce que des fois, voilà, quand on crée beaucoup de contenu, ça peut être très épuisant, n'oubliez pas que je vous explique justement dans la formation Catapulte à contenu comment vous y prendre pour publier un à trois contenus par jour sans vous épuiser à la tâche et sans avoir l'impression d'être, voilà, dans une prison dorée que vous êtes créé vous-même. Si jamais ça vous intéresse, la formation Catapulte est disponible dans la barre de description, je vous invite à aller voir ça. Et moi, du coup, je vais vous retrouver tout de suite sur mon ordinateur pour vous montrer comment créer votre calendrier éditorial avec Notion. Nous voilà directement sur Notion, je me suis servi, enfin je vais me servir en tout cas pour ce tutoriel de cet espace qui n'est pas l'espace que j'utilise de manière générale mais celui où je regroupe tous les process que je vous offre lors de mes formations, donc vous allez avoir de toute façon hein, tous les process qu'il vous faut ici euh, et vous allez sûrement connaître cet espace si jamais vous êtes client de mes formations. Ici avant de commencer je voudrais vous présenter rapidement comment se présente Notion pour ceux d'entre vous qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne, donc ici on a une première barre qui euh, récapitule en fait toutes les notes qu'on a prises, donc c'est... Ici, qu'on va venir naviguer. Et ici, on a une grande fenêtre qui nous permet, du coup, euh, bah, de tout simplement prendre des notes directement avec ici quelques petites options sur le côté. Donc, la première chose qu'on va faire ici, ça va être tout simplement de créer déjà une page qui va nous servir de calendrier éditorial. Donc, pour ça, ici, je vais me servir de tout simplement cette petite partie à deux pages. Et comme vous le voyez ici, ça m'a créé une nouvelle page. Si jamais vous allez vous servir de ce calendrier éditorial assez régulièrement, je vous conseille du coup de le mettre en favorite comme ceci parce que, comme vous le voyez ici, il ça, il arrivera en fait toujours au début et euh, bah, vous n'aurez pas forcément besoin voilà, de chercher à gauche à droite parce qu'il sera toujours au même endroit. Donc, ici vous pouvez tout simplement l'appeler calendrier éditorial. Hein, on va pas se prendre la tête. Donc, là c'est le titre tout simplement de la page. Vous pouvez rajouter une icône si jamais vous le souhaitez, personnaliser l'icône. Il hein, y a pas mal de, de possibilités. Donc, là on va mettre une couronne parce qu'on est très original. Vous pouvez également rajouter une couverture, donc soit une image par défaut, soit une image que vous uploadez directement. Donc, par défaut, il vous en met une, mais vous pouvez la changer. Hein. Ici rattaché en plus à Unsplash donc vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez au niveau de la mise en page donc là c'est vraiment pour les options de base ici ce qui nous intéresse ça va être de créer un calendrier éditorial et ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va créer un format qui ressemble au format Trello le format Kanban en fait, et chez Notion, comment il s'appelle ce format C'est le format board. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous euh, allez tout simplement ici, vous voyez, euh, press enter to continue, vous tapez slash board, et comme ça, ça va vous permettre de créer tout simplement bah, ce petit format un petit peu style Trello. L'avantage du fait de faire ça, c'est qu'on peut prendre des notes au-dessus et en dessous, mais personnellement, je trouve que dans le cadre d'une page comme ça qui fait office de calendrier éditorial, c'est mieux euh, de faire directement une base de données. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va bien faire attention qu'il n'y a rien et on va aller ici dans Database et on va directement sélectionner Board. La seule différence ici, c'est que comme vous le voyez, ce format il va prendre toute la page, donc là on peut rien écrire au-dessus ni en dessous, c'est vraiment juste la base de données, et dans le cadre d'un calendrier éditorial, je pense que c'est vraiment beaucoup plus intéressant de fonctionner sur ce modèle là. Donc ici par défaut il nous a créé quelques colonnes et quelques, quelques phrases, j'allais dire, mais quelques colonnes et quelques cartes plutôt. Donc ici on va supprimer directement euh, les cartes qui ont été rajoutées pour éviter de se polluer, euh, voilà, pour rien, hein, tout simplement, et on va venir modifier en fait le titre de euh, ces fameuses euh, petites cases. On va suivre exactement le même cheminement que celui que je vous ai donné dans euh, le tutoriel pour créer son calendrier éditorial sur Trello. Euh, la seule différence ici qu'il y a, c'est que la colonne No Statut qui est obligatoire, on ne peut pas l'enlever. Euh, moi personnellement, je m'en sers comme colonne d'idées en vrac. Hein. Donc euh, après, si jamais vous voulez absolument qu'il y ait écrit idée ici, vous pouvez tout simplement la masquer et en créer une nouvelle, mais je pense que euh, voilà, d'elle-même, elle fait son travail, quoi. Donc là je vais euh, faire du coup mes petites colonnes. Donc tout simplement pour modifier le titre il suffit de cliquer une fois dessus et euh, bah, mettre tout simplement le nom qui nous, vous intéresse. Euh, si jamais vous voulez changer la couleur aussi, vous pouvez le faire. Hein, il suffit euh, il me semble de cliquer ici, voilà, et là on peut choisir si on veut que ce soit du gris, euh, du rose, etc. Bref, ça c'est vraiment votre appréciation personnelle et à vous de voir comment vous voulez euh, que ça soit euh, bah, tout simplement organisé. Hein. Si jamais vous arrivez au bout des colonnes qui sont déjà créées, tout simplement vous allez cliquer ici sur A de groupe et vous allez pouvoir du coup en créer d'autres. Donc nous voilà avec les colonnes de base. Ici je me suis basée du coup sur le process du, de création d'une vidéo, mais pour les articles vous pouvez adopter exactement le même principe. La seule différence c'est qu'au lieu d'avoir à scripter, à tourner, à monter, vous allez avoir du coup premier jet, euh, à trouver, euh, je sais pas, visuel à faire, etc. Je trouve que ça a vraiment, euh, voilà, ça vous permet d'y voir vraiment plus clair de noter en fait à quelle étape ça en est. Du coup je vais vous expliquer les étapes précédentes. Donc ici nos statuts c'est quand vous avez une idée, une idée random, vous, vous dites ah tiens ce serait cool de faire euh, un article, une vidéo là-dessus, vous allez la noter ici tout simplement hein, en disant voilà j'ai une idée de blablabla, euh, bla bla, super. <laughs> ici les idées à trouver c'est quand vous allez avoir un planning programmé. Donc si par exemple vous dites voilà le 1er septembre euh, il faut que je trouve un article, donc euh, vous pouvez mettre article à trouver tout simplement et rajouter une date à cet article. Donc pour ajouter une date, ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer directement euh, voilà, sur l'article à trouver. Ici on va cliquer sur Add A de property. On va sélectionner euh, comme type de property une date et du coup ça va nous permettre de choisir la date qu'on veut. Donc là on va mettre voilà, la date du jour. Si jamais ce format de date il vous stresse et que vous avez envie de le mettre au format européen, vous pouvez le faire hein, en cliquant tout simplement ici sur date, format et time zone. Ici vous sélectionnez le, le format en euh, prenant Day month, Year, du coup qui est euh, voilà, beaucoup plus euh, européen, j'ai envie de vous dire. Bien sûr, vous avez. Vous pouvez modifier ici la, le titre de la propriété et mettre par exemple date de publication si jamais... Euh, voilà, c'est la date de publication. Et du coup voilà là on a notre petite date qui est euh, notée et euh, ce qui est intéressant ici c'est qu'on peut aussi la faire apparaître sur le, les cartes en cliquant sur Properties ici et en activant la date de planification donc comme ça on voit la date du jour. C'est quoi la différence entre les idées et les idées à trouver Les idées ce sont bah, des idées que vous avez déjà et les idées à trouver c'est les articles que vous avez planifiés mais euh, vous n'avez pas encore trouvé sur quel sujet vous allez faire cet article ou cette vidéo. Une fois que vous aurez trouvé le sujet et vous aurez tout simplement voilà modifié ici le titre et à le faire glisser ici dans la colonne planifié donc planifié c'est pour ce qui est planifié mais pas encore commencé et euh, bah du coup à mesure que vous avancez du coup dans votre processus vous allez faire glisser donc là par exemple vous dites ok euh, bah là je vais me faire une session où je vais faire tous mes scripts d'un coup donc je mets les scripts à faire ici et une fois que j'ai fini le script je le mets dans à tourner ensuite dans à monter etc et programmer c'est une fois que l'article est prêt et terminé bah du coup il apparaît ici et comme ça on n'a pas de souci ce qui peut être très très intéressant ici, c'est de créer euh, un template, donc un modèle de page pour chacun des articles ou des vidéos que vous avez à tourner. Donc si jamais vous avez des notes à prendre ou des brouillons à faire, c'est le moment de le faire. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur n'importe quelle carte ici. Vous voyez, quand il n'y a encore rien sur la carte, il nous propose de créer un template. C'est ce qu'on va faire. Donc un template, c'est simplement un modèle de page. Donc là ici, je vais mettre euh, modèle euh, script. Donc, moi, personnellement, c'est comme ça que je fais pour mes modèles de vidéos. Ici, vous allez tout simplement faire, euh, voilà, euh, je sais pas, euh, intro... Euh, um On laisse une petite ligne comme ça. Et euh, bah, comme ça, on sait que euh, bah, pour chacun en fait des, des, des cartes, chacune des cartes qu'on va créer ici, eh ben, on va pouvoir justement avoir déjà cette base qui est construite. Donc bien sûr, à personnaliser selon vos propres besoins. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'une fois que vous aurez du coup euh, voilà, fini le script, vous allez euh, pouvoir en fait l'utiliser à chaque fois. Vous voyez, là il apparaît ici. Et ça fonctionne pour toutes les cartes. Donc quelle que soit la carte que vous allez créer, vous allez avoir la possibilité de réutiliser ce modèle de script. En cliquant simplement dessus et là vous voyez il charge et il va me mettre tout simplement exactement les mêmes informations sur chacune de euh, mes petites cartes ce qui va me permettre du coup d'avoir déjà un plan prêt euh, à l'avance. Si jamais voilà vous avez envie de modifier ce script, vous pouvez le faire. Hein. Tout simplement au lieu de cliquer directement sur le script, vous allez aller ici au niveau des trois petits points, cliquer sur Edit et là vous allez pouvoir modifier euh, le template et de toute façon ici il vous rappelle à chaque fois qu'on est en train d'éditer un template et non pas une carte en soi. Je pense que ça fait vraiment une grosse différence d'avoir un template pour gagner du temps si comme moi vous publiez beaucoup de contenu et euh, ça vous évite d'avoir à le refaire à chaque fois. Quelque chose qui est très très intéressant avec Notion, c'est le fait qu'on n'est pas obligé de se cantonner à euh, bah, cette vue-là. On peut rajouter une vue, c'est-à-dire euh, voilà, un, un aperçu différent. Donc ici, ce qui est intéressant à faire, notamment dans le cadre d'un calendrier, euh, d'un calendrier éditorial, c'est tout simplement la vue calendrier. Donc ici, on va appeler cette vue le calendrier, tout simplement, et on va la créer. Et vous allez le voir ici, ça va nous permettre du coup d'avoir exactement les mêmes cartes, mais cette fois-ci euh, planifiées. Donc on va pouvoir y voir plus clair sur ce qu'on a prévu et comme pour la vue liste qu'on a fait tout à l'heure enfin pour la vue board pardon qu'on a fait tout à l'heure on va pouvoir du coup paramétrer ce qu'on a envie de voir donc là par exemple je vois que pour aujourd'hui j'ai un article à trouver qui se trouve dans les idées à trouver et euh, bah, si jamais on veut un petit rappel même si pour le coup sur un calendrier c'est pas forcément nécessaire bah on peut le faire en fait on peut vraiment tout personnaliser comme on veut une autre vue qui est très intéressante selon moi, et c'est celle que j'utilise personnellement pour mes scripts de vidéos, c'est tout simplement la vue liste, que je trouve beaucoup plus claire. Donc là, ici, je vais l'appeler liste, tout simplement, et euh, hop, quand je crée, voilà, je vais avoir tout simplement, vous voyez, la liste de toutes les cartes, et à nouveau, on va pouvoir, ici, euh, bah, voir au niveau des properties, ce qui est euh, faisable, ce qui est à faire, ce qui est en cours, etc. Et euh, bah, on peut, encore une fois, classer ça, si jamais on veut, euh, bah, par exemple, que au niveau de la date, ce soit la date la plus, euh, la plus proche, qui apparaît en premier etc il y a beaucoup beaucoup d'options euh, sur notion ici je vous montre juste les principales personnellement je trouve que ça c'est le plus simple surtout si jamais euh, voilà on classe euh, non pas forcément par date mais aussi par euh, tag donc là vous voyez au niveau du statut on peut le mettre euh, pour que euh, bah, toutes les idées à trouver soient ensemble pour te, toutes les... Euh, que, que tout soit groupé en fait en fonction de ce qu'on a créé ici sur board donc c'est exactement les mêmes infos ça se modifie exactement partout c'est juste la disposition ici qui change un dernier petit conseil que j'aimerais vous donner, c'est euh, cette histoire d'émojis de, 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 qu'on peut rajouter du coup pour euh, voilà, montrer un petit peu euh, bah, quelles sont les différentes euh, cartes qu'on a. Moi ce que je vous recommande de faire c'est d'utiliser la technique des émojis de traçage pour ça, c'est-à-dire que vous allez en fait tout simplement mettre des carrés qui vont venir signifier si euh, le truc est prêt ou pas. Donc je vous donne un exemple ici. Le rouge c'est pour moi quand c'est pas encore prêt, quand c'est pas encore fait, quand c'est pas encore commencé. On peut aussi se servir de l'orange pour ce qui est en cours, le jaune pour ce qui est finalisé, et euh, bah, le vert check pour ce qui est fait. Par contre, vous allez le remarquer sur Notion, le problème c'est qu'il n'y a pas forcément tous les émojis. Alors il me semble que le check, il y est, on va taper check, voilà, le check il y est, il n'y a aucun problème. Mais par contre pour le rouge, etc. il n'y est pas. Pas de panique à ce niveau-là, vous avez ici une petite option link quand vous cliquez sur l'émoji qui vous permet en fait tout simplement de soit faire un copier-coller d'une image, soit euh, bah, tout simplement mettre un emoji. Donc pour faire les emojis, je le rappelle, si vous êtes sur Mac, on appuie sur CTRL, commande espace, et comme ça, ça nous crée, enfin ça nous ouvre du coup le clavier des emojis. Si vous êtes sur Windows, on appuie sur le bouton Windows et sur le point en même temps, et du coup ici, on peut du coup se permettre de choisir l'emoji qu'on veut. Donc moi ici, c'est dans la colonne symbole que je les trouve, et je trouve que personnellement, le fait d'utiliser ces carrés là, ça permet de voir tout de suite qu'il y a quelque chose à faire. Donc si par exemple je veux, euh, voilà, mettre euh, bah, tout simplement euh, bah, les orange et eh ben je peux le faire pour signifier que là c'est en cours et quand j'appuie sur submit vous voyez il me le met par défaut pourquoi c'est intéressant d'utiliser ces émojis de traçage tout simplement parce que quand vous êtes en vue calendrier ça va littéralement vous sauver la vie alors comme vous le voyez ici quand j'appuie sur calendrier hop on apparaît ici et là comme ça je vois tout simplement ce qui est fait ou pas personnellement je trouve que c'est beaucoup beaucoup plus simple de faire ça comme ça et euh, de mieux s'y retrouver si vous allez plus loin dans votre utilisation de notions, je vous conseille vraiment d'utiliser cette fonction Property qui euh, bah, vous propose pas mal d'options. Hein. Si jamais par exemple vous voulez mettre le lien à chaque fois euh, de l'URL, euh, de la vidéo ou de l'article pour le retrouver plus facilement, vous pouvez. Si jamais vous voulez faire un lien vers d'autres choses sur votre base de données, vous pouvez. Il y a énormément d'options. Je ne vais pas rentrer énormément dans le détail ici parce que sinon ce tutoriel va durer mille ans. Mais euh, je vous invite vraiment à vous familiariser avec cet outil parce que comme vous l'avez vu, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Avec avec pas mal euh, d'options. Au moment où j'enregistre cette vidéo, malheureusement, euh, l'API de Notion n'est pas forcément disponible. J'espère qu'elle le sera au moment où cette vidéo sortira. Si tel est le cas, il y a fort à parier qu'on puisse directement le raccorder directement à notre Google Agenda. Et je pense, a priori, mais ça reste à confirmer, je vous mettrai euh, tout ça euh, en commentaire épinglé si jamais ça a évolué. Je pense que si jamais une API est disponible pour justement raccorder les calendriers, elle se trouvera ici au niveau des trois petits points qui proposent du coup toutes les options. Et on devra, à mon avis, selon moi, avoir une option, voilà, synchronisation e-calendar ou ce genre de choses qui nous permettra du coup d'avoir accès à euh, toutes les notes qu'on prend sur Notion, euh, dupliquées sur notre Google Agenda et on reste quand même dans cette logique d'avoir un seul et unique calendrier, donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour conclure ce tutoriel, j'avais envie de vous parler d'une option un petit peu particulière que j'utilise, qui est l'option des liens bidirectionnels et c'est ce qui me permet en fait, comme vous le voyez ici, d'avoir en fait à chaque fois euh, le nom de la formation euh, rattaché à chacune des vidéos que je crée euh, directement noter, comme ça je vois à quoi ça correspond. Donc ici on va prendre l'exemple de euh, ce script là euh, qui date un petit peu, on hein, pas se mentir en fait, vous voyez ici, euh, je peux directement faire un lien vers l'offre et euh, quand je clique ici, j'ai euh, tout le descriptif par rapport à l'offre avec le de tous les scripts que j'ai créés, etc. Et du coup, ça me permet d'avoir au même endroit en fait euh, le récapitulatif de tout. Donc pour faire ça, comment ça se passe Il va falloir créer une autre base de données avec toutes vos offres, si vous en avez autant que moi, euh, créer une base de données à part. Et du coup, au niveau du paramétrage, comment ça se passe Ça se passe toujours ici au niveau des properties. Donc ce qu'on fait ici, c'est que tout simplement, ici, on va cliquer sur A de property comme la dernière fois. Et euh, bah, ici, cette fois-ci, on va venir sélectionner euh, quelque chose d'un petit peu plus particulier, c'est c'est ici dans euh, relations. Donc vous voyez ici on a euh, voilà une petite option relation c'est ce qui me permet voilà de sélectionner une base de données et euh, bah, du coup de faire des liens directement vers cette page ce qui fait que en fait je pourrais faire des liens vers des pages mais uniquement les pages qui sont regroupées dans cette base de données donc voilà, là j'ai sélectionné formation Wonder Wild Queen, je vais venir créer la relation et ici donc ça m'a créé ma petite property que je peux toujours modifier au niveau du titre et euh, bah, là tout simplement quand je vais venir noter, vous voyez j'ai toutes mes formations qui apparaissent et que du coup je vais pouvoir euh, bah, tout simplement linker pour m'y retrouver plus facilement. Donc je pense que c'est vraiment une option très très intéressante pour ceux d'entre vous qui utilisent beaucoup Notion, je vous recommande vraiment d'essayer d'adopter ce système là parce que ça fait une réelle différence. Et voilà! <laughs> est-ce que vous trouvez pas comme moi que Notion est quand même très très pratique? Il y a beaucoup d'options et en plus c'est quand même plutôt joli à regarder. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien cet outil? Est-ce que vous aimez bien voilà, les fonctionnalités qu'il propose? Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous, vous le découvrez tout juste là avec cette vidéo? Et est-ce que ça vous a donné envie de l'essayer? En tout cas, grâce à ce tutoriel, vous savez maintenant comment planifier votre contenu. Mais si vous n'avez pas d'idée de contenu, si vous ne savez pas quoi créer ni comment le créer sans que ça vous fasse perdre trop de temps, n'oubliez pas. Encore une fois, que la formation Catapulte vous explique tout mon process. C'est ce que j'utilise moi-même et c'est les techniques qui m'ont permis de publier plus d'un contenu par jour pendant plus d'un an. Donc, si jamais ça vous intéresse, la formation Catapulte est disponible dans la barre de description. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen!